Martina. Omega Tau, Omega Tau, Omega Tau, Tau, Tau. Buenas noches, un buen lindo. Ô, Tonino, larga el prisionero, por favor. Prisionero, prisionero. Et enfin, pour le dessert, les incontournables
galette JLL, saveur lune, nouvelle recette, accompagnée d'une pistouille maison élue, cru de l'année, et c'est le cru JLM, appellation d'origine contrôlée. Un dessert, je commence à coulosse. Oh. Car au bout d'une décennie, 46 auteurs tentent de percer le mystère du dessert de lune, inventé un beau jour de février 1995, et à propos duquel il y aurait autant de définitions qu'il y a de moyens de se perdre dans les rues de Venise, cela donne 46 versions. Très différent et très original. 46 versions où l'on peut se reconvertir au tricoté laine, chanter, sauter dans un fourgon en remote, déguster un gratin de sauterelles au basilic, se souvenir de dimanche, regarder les géraniums au balcon prendre leur bain de minuit, voir le désir dans ses yeux, assister à la finale de la Coupe du Monde de poésie se hâter, faire des confitures, voir un croissant de lune terminer sa nuit, prendre son pied, patienter jusqu'à l'apéro, mais pas jusqu'au dessert, rencontrer Midas, ou encore aller lire sur la mer de Nectar, bref, rester poète, et surtout, surtout, demander la lune. Demander la lune! Entendre la mer. Croiseuse Herbine Buller. Aimer les histoires de chiens, ne pas trop aimer les desserts sucrés. Ne plus être inspiré par la moindre des choses. Entendre résonner la blue note. N'être plus que cette tache blanche. Et attirer l'attention sur le fait qu'un monde plus sûr ne fait pas un monde certain. Correspondre. Attendre la fin de la nuit ou une brève éclipse entre la poire et le fromage. Se relier au monde, préférer les fromages au dessert, ramasser les rêves usés, manger son unique regret, noircir des calepins au clair de la terre, rester seul sous la lune, broyer du noir, offrir un gâteau à base de crème de marron sur un lit de frites, articuler les Carpates du dessert. Aller aux pièces gaguettes. Imaginez l'ouvreuse. Tester la collection sucrée du prochain trimestre. Traquer les anges taciturnes. Et tester, sucer les sucettes goût du Pierrot gourmand du magasin de lumière et d'esprit. Ne plus croire au beau jour. Recevoir un courrier d'un cosmonaute qui hurle comme un chien à la lune. Cela valait bien la peine d'attendre 10 ans en compagnie de ce dessert de lune qui continue à croire que dans l'imaginaire de chacun, il y a place pour l'aventure d'une utopie, l'utopie d'une aventure. Embarquez. 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 Les cornels des cerbères à lunettes, les crénoms des bienvenus de l'homme, les craquers du dîner des lucioles, les carcans du désert de ses lèvres, les carrés de derrière les cercles, les tracés des cercles du loupio, les caresses du tresseur de louanges, les calmants du danseur de laine, les clameurs du déterreur de l'inédit, les courbes du dresseur de ligne. Le cramé du départ de l'heure. Les Carpates du délire de Jules. Ouais. Ça chauffe. La plastique du distique des loustiques. Ouais. Les galettes du disquaire de l'ombre.
Les calculs du démon de Lourdes. Les nectars du cédeur de Nul. Les marnés du faussaire de Dune. Les barmen des dépôts de Loufoque. Et les croustilles du doreur de Bugne. Ou les carcoffles des purées de luxe. Les cartons du décideur de livres. La crème du dessus du panier. Le charme des dérives de l'or. Les cartouches des 10 ans de lutte. Ouais. Les cahiers du désert de l'ombre. Les carnets du dessert de lune. Non. Attends. Les carnets du dessert de lune. Les carnets du dessert de lune. Les carnets du dessert de lune. Voilà.